prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien. Bravo. C'est une super chanson, tu sais, quand même. Moi, ça fait des années que je l'entends, ça me fait toujours quelque chose. Et c'est vrai, c'est une belle chanson. Qui a une histoire qui continue, qui se poursuit, malgré moi, un petit peu bah partout, oui, parce que je vais te dire, dans les écoles, dans les églises, pour les baptêmes, etc. Oui, de cette chorale de dames du troisième âge que j'avais trouvée. Oui. C'était des dames, des mémés, disons-le, c'est gentil. Et elles chantaient « Prendre un enfant dans ses bras ». Et j'étais à Europe 1 à l'époque, et on les avait fait entrer au hit parade. Elles avaient fait mieux que les Beatles. Pendant 7 semaines, elles sont passées, il faut dire qu'on s'était donné la main, devant les Beatles au hit parade. C'est une belle chanson que tu nous as chantée là. Merci à toi de l'avoir composée. Tu vas t'asseoir, on donne une très bonne note à Alexandre. Donne une note à Alexandre. Va donner une note à Alexandre. Prends ta plaquette avant de redescendre. Lève-la bien haut, fais comme ta copine et regarde bien. C'est ainsi, c'est très bien. 10, 20, 30, 40. Bravo, repose ta plaquette. Belle. Comme les enfants sont beaux. C'est même s'il y a de plus beau sur la terre. Mademoiselle Claire. Je vais baisser le micro parce qu'on voit pas le visage. Voilà. Tu as quel âge ? 6 ans. 6 ans. Fais voir tes yeux. Oh ! Tu as des yeux verts. Yeux bleus. Yeux d'amoureux. Yeux marrons. Yeux de cochon. Hein ? Et yeux verts ? Yeux d'hyper. Voilà, ça n'a pas changé, ça. Ça marche en classe ? Oui. Les garçons t'embêtent pas ? Un petit peu. Ils sont embêtants. Qu'est-ce qu'ils te font ? Bah, il veut toujours me bagarrer. Il veut toujours te bagarrer. Il y en a un qui t'embête tout le temps ? Non. Ah bon, c'est les autres alors. Où est-ce que tu habites ? À Margency. Alors Margency, c'est où ça, Margency ? C'est dans le Val d'Oise, voilà. Donc c'est près de Paris. Tu es venue avec qui, ma petite fille ? Avec papa, avec ma marraine, avec Alan. C'est vous le papa ? Bonjour, monsieur. Vous avez un visage sympathique et souriant. C'est un papa qui gronde jamais, ça ? Non. Et c'est un papa qui boit pas de vin, ça ? Si. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme métier ? Faire danser les gens. Vous faites danser les gens, monsieur ? C'est vrai ? Ah ! Au marché noir, vous le faites ! Voilà ! Votre deuxième métier, c'est de faire danser les gens. Seulement s'il y a un percepteur dans la salle. Et il le sait, alors votre autre métier, c'est quoi ? La publicité. Yeah, oui, il faut bien. Combien vous avez d'enfants ? Trois enfants ! Oh là là, mon Dieu ! Je me demande comment vous avez pu faire ça. Moi, j'aurais pas pu. J'en ai que 7, alors là... Bien. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais de jolis yeux ? Oui. Oui. Tes yeux sont les plus jolis du monde ? Ou c'est les yeux de ta maman ? Les yeux de ma maman. Ah ! Elle a bien hésité, mais on peut le comprendre. Tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Je veux être danseuse et chanteuse. Danseuse et chanteuse, on va peut-être faire quelque chose pour toi. Fais-te voir si elle danse bien. Attention. Classique, on y va. Tu fais comme moi. Thank you.
Les enfants, elle est faite pour la danse, cette petite. Viens là. Tu sais que c'est un métier très dur que t'as choisi, parce que chanteuse, c'est pas facile d'arriver, hein. Oh, c'est dur. Qu'est-ce que tu nous chantes, là? Le petit pont de bois. Oh, un petit chef-d'œuvre. Tu te souviens du pont qu'on traversait la guerre pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. Et j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil bien d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil bien d'autrefois. Elle chante drôlement bien, vraiment. Bien, on va prendre des applaudissements, là, allez. Voilà. Vous pouvez l'engager dans l'orchestre. Viens, je voulais te complimenter parce qu'elle chante juste. Ah oui, c'est très très bien.